Vous avez 10 minutes, hein. Vous avez le temps de voter. J'aime bien mettre la durée maximale. Sachant que, en gros, si on fait 14-17, ouais, à partir de 17h, vous me retrouverez. Ou 18h, on jouera peut-être les prolongations avec X-Files, on verra en fonction de comment ça se présente. Mais on fera 3-4 heures, je pense, encore de direct. Et puis il y a le tableau mystère, là, que j'ai annoncé à 19h45. Dans les deux cas, c'est bien, je pourrais vraiment à 19h45. Voilà, même si c'est une course, je pourrais arrêter. Gottlieb Challenge. Ouais, je vais faire le challenge, allez, soyons fous. Démarrer Gottlieb Challenge. C'est du génie! Oui, je suis d'accord. Par contre, je ne sais plus du tout comment on joue. Et chaque flipper a ses particularités. Oui, je lance la bille comme ça je m'en souvenais. Mais alors, quels sont les contrôles pour les loquettes à quai, là? Ah, c'est ça, d'accord. Ta-ta-ta-ta, c'est les gâchettes supérieures de la manette. Oh mon dieu, ça bouge sans cesse, ça donne le tournis. Burp. Burp. Ah merde, j'ai pas réagi. J'ai perdu une occasion de relancer plus haut la bille. Burp. Ah non, je vais la perdre. Burp. Bip, bap, burp. Ishpoing. Non. Ah, dommage. Dommage. Oh, elle prend la sortie. Sniff. Cumule des points. Cumule des points calculés que j'ai récoltés durant cette première manche. La première bébille. Zou. Bam, bim, bam, boum, bidi, bi, bidi, biboum. Là, j'ai eu du bol qu'elle aille dans le bon embranchement. Ça va pas durer. Et merde. Il fallait que je le dise pour que je la renvoie en enfer dans les limbes. Ah là là, malheur à moi. Oula. Oula, c'est délicat. Oh, joli, mon tir était quasiment parfait. Dans l'angle du flipper, nickel. Oula, où est-ce qu'elle est en train de se fourvoyer, la malheureuse? Non, elle va sortir. Ouh, j'ai eu chaud. Ouh, j'ai eu chaud. Non, c'est pas pour tout de suite la sortie, ma grande. Ouais, je suis content, elle prend les bons embranchements. Pourvu que ça dure. Il est magnifique ce jeu de flipper. Il est superbe. Ah, elle est bonne. Je reviens au départ, la bonne blague. Allez, on lance. Score bonus. Oh! Du coup, mon projet d'enregistrement de voix est foutu. Oh, faudra qu'on en reparle, tu sais, entre nous en vocal. Bah, peut-être tout à l'heure d'ailleurs, si tu pourras exposer ton projet. Et puis, avec Twinsen, les autres et moi, on va peut-être te solutionner ton projet audio. Mais bien faire attention dans la compo. De pas s'octroyer à tort des droits de diffusion en prenant des extraits de musique protégée. Ça, il faut surtout pas le faire. Papapalipipipou. J'aime bien la sphère de 1000 points. Oula, je l'ai envoyé de manière mollassonne. Ouch! Non! Ah.
Ouh, j'avais bien chargé le score. Oh la vache. Encore? Oh mais c'est génial! Oh les points, ça n'arrête plus. Oh là là là, le meilleur score 5. SDN pour Sage de Nancy, allez. Merde, si j'arrive à rester dans le... Voilà, c'est un score établi en direct sur Twitch. Oups, attends, voilà. Sauvegarde sur la carte mémoire. Veuillez ne pas retirer la carte mémoire. Dis-nous tout, FunFan. Quoi, je peux te conseiller un autre jeu cool en musique? Il me semble qu'il est en MIDI. Ah. Ah. Oh la vache, j'avais déjà fait des scores d'un demi-million par le passé. Oh mon dieu. Oui, bah c'est bien, les conditions sont remplies. Je vais passer à l'autre tableau, et oh. C'est bien, je cumule des points. Alors les points, en fait, quand vous performez sur les tables de jeu, là, de billard électrique, ça vous permet de déverrouiller des options dans le menu et d'avoir accès parfois de manière illimitée à certaines tables. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit pour vous présenter le jeu, la simulateur de billard électrique, c'est que Gottlieb est une vraie marque américaine. Et les tables que vous avez à vue là dans mon jeu, merde, oh, j'ai fait de la mouise, existent réellement. Vous pouvez les commander en dur. Il y a des. J'ai regardé par curiosité quelques vidéos de tables réelles achetées par des passionnés. Et elles sont magnifiques en finition, elles sont superbes. Et ça coûte une blinde ce genre de loisir. Déjà, faut avoir la place chez soi et c'est à coût de milliers d'euros hein, les tables de billard électrique. C'est des purs chefs-d'œuvre d'électronique et de mécanique. Et merde, j'ai fait de la mouise. Ouh, je sens que la table là, je vais pas la passer. Je suis pas du tout dans le coup là. Ah, je suis dans la partie supérieure. Faut que j'essaie d'y rester le plus longtemps possible. Enfin, oui. J'ai pas eu le choix. Oh là là, c'était quoi cette éjection? Ah, espoir. Oui, non, non, j'ai pas eu le réflexe. Non, c'est horrible. Ça va trop vite, rembourser. Ah bah, il faut que j'en lance la bille. Mais non, elle est bloquée. Ah. Oui, fuel. Faut que je complète le mot. Les mots magiques. Ça coûte tellement cher en ce moment le fioul. M'en parlez pas. Bon, il me libère ma bibi, oui ou... Ah non, il me l'a éjecté. Oh, le saligo. Ah bon? Ah bah finalement... Eh bah, c'est ma dernière bille qui a tout fait. Oh le bol. Descends disposition logicielle du coup, blablabla. Il me semble avoir lu de mémoire en lui, le One est sorti en 98. Sûrement Deus Ex premier, même compositeur, blablabla. Blablabla. Je vais vérifier ça, le jeu en physique, on me dit point UMX. Alors l'extension UMX, je ne la connais pas en fichier. Je ne pourrais pas dire. Finalement, je m'en sors pas trop mal. Jusqu'à quand? Je crois que je suis jamais allé au bout de la série de tables de billard électrique là. Il est trop balèze. Ouh, il est beau celui-là, je l'aime bien. Ah, je l'aime bien. La table là, elle est cool. Elle est cool, waouh. Faut-il encore que je m'en souvienne? Elle est magnifique. Merde, j'ai influencé la bille, mais. Pas comme je voulais. Puis j'ai l'impression qu'elle est plus grosse que les autres, la bille, là, dans le jeu, là. Elle est lourdingue, c'est un vrai paf en métal. Bonjour. Ah. Allez!
Bouge ton boule, c'est le cas de le dire. Ouais. Non, sors pas, sors pas. Pitié. Et pitié. Et puis là, faut scorer sur cette table, c'est pas évident. Non, oh là, j'ai vraiment les jetons qu'elle prenne l'extrême et qu'elle se dirige vers la sortie sans que je puisse rien faire. Non, c'est cruel. Message de FunFan 1992, résultat 5 voix pour Minecraft et 2 pour GT3. Ok, on va continuer comme hier soir à se faire du Minecraft. Ce sera avec plaisir. Yeah. Non, mais non, mais non. Mais monsieur l'arbitre, remboursé. C'est honteux. Ça devrait pas exister. La bille devrait m'être refaire gratuitement dans les 10 secondes. Parce que j'ai pas le temps de jongler avec. D'ailleurs, certaines tables font cette règle. Respecte, enfin respecte. Honore cette règle de. Comment on pourrait qualifier ça? D'indulgence par rapport à la. Au temps d'interaction avec la dite bille. Oui, non, oui, non. Non, elle n'a pas pris le bon chemin. Je ne peux pas la relancer mécaniquement. Je l'ai dans les dents. Oups, je ne contrôle plus rien. Allez, go. J'ai essayé de la relancer avec de la patate. J'ai eu très chaud. Cacao. Oh, c'est beau. Oh, je tire. Oh. Attends, j'arrive plus à suivre. Ah non! Oh. Ah bah, je suis mort là. Ah, j'ai pas fait la moitié. J'ai encore droit à 2 essais. Bon, il y a de l'indulgence là aussi. Après, le CD est apparu dans les jeux et là, tout était possible. Oui, c'était énorme les musiques MIDI à l'époque, ouais. Il y avait des belles compos, hein. D'ailleurs, on en trouve pas mal sur Internet encore aujourd'hui, mais c'est pas possible, je suis de la. Sur une table que j'affectionne particulièrement en plus, honte à moi. Mais merci de m'avoir annoncé le résultat du vote, FunFan. Ouch. Oh. Deux cent mille points. Oh. Oh, elle prend pas la bonne direction. Oui, non, ça va. Ah oui. C'est difficile de jongler avec quand elle est sur la partie supérieure. Oh là là, c'est magnifique comme. Ah non, mais comment le. Oh là là. Oh, ça craint du boudin, mon histoire. Non, je l'ai effleuré. Je l'ai effleuré. Non! Rage, désespoir. Merde, trop tard. Non, non, non. Oh, je la sentais pas. De l'avoir bien droite et tombée comme une pierre, ça sent pas bon. J'ai le même moteur. Tropique dans ton cœur. Di-di-di-di. Change pas le moteur. Panique à bord. Et voilà, c'en est fini de moi. C'est bien, j'ai cumulé des points. Du, du, du.
Alors, musique MIDI sur les jeux PC était une norme à l'époque, c'était surtout lié à la capacité de stockage, très juste. Et puis surtout que avoir une carte son à l'époque, les Sound Blasters, c'était un luxe. C'était pour ceux qui avaient des pépettes. Moi, j'ai mon premier ordi, j'avais pas de son dessus, hein. J'avais juste le MIDI. C'était la norme la moins chère d'avoir l'équivalent d'un synthé, la puce synthé dans l'ordi en guise de son. J'avais pas le son CD. Non, non, c'était un luxe à l'époque. Et j'avais un pote que je jalousais quand j'étais au collège, parce que lui, il avait l'ordi avec la Sound Blaster. Quand j'ai redécouvert les musiques, les jeux que je faisais, qu'on avait en commun avec les musiques, j'ai dit, oh, le vénard! Ah, trop bien. Après, le CD est apparu. Attends, quelques jeux ont eu des musiques à mode tracké, une sorte de MIDI avec des samples de notes intégrées. Oui, je m'en souviens aussi. Et je crois que ça existe encore pour les nostalgiques qui sont à l'aise avec ce jeu de partition et de son. Ouais. Ouais, même moteur, ouais. Allez, bref. Mode tournoi, mode arcade. Peut-être essayer le mode arcade. Oui, voilà, c'est là où, avec mes points, bah tiens, j'en ai 70. Je peux me faire des parties. Là, les parties sont gratos. Bah tiens, je pourrais m'exercer sur la même table. On va changer un peu, je vais en faire un autre. Voilà, là, ça coûte 2 de jouer à celui-là. Celui-là, ça coûte 1, c'est bizarre le truc. Ça coûte 5. Oh la vache, il y a des parties qui coûtent cher. Ah, le bec shout est gratos. Celui-là, il coûte 1. Celui-là, il coûte 3. Il coûte 3, le Playboy. Il est gratos, celui-là. Il faut qu'on le fasse aussi. Oh, le coup. Ah, c'est bizarre le coup des écureuils, le Gun and Nuts. Parce qu'à un moment, on se retrouve avec plusieurs billes et c'est un foutoir sans nom. Et j'ai pas mal de parties gratuites, Théo. Ah, c'est sympa. Attendez, l'énigmatique Go and Nuts, là, je veux me le faire. Vous voyez, il date de 83. Il est trop bizarre, ce jeu. Alors là, la table là, elle est complètement folle. Il y a une pluie de noisettes là à un moment donné. Voilà, il lance plusieurs billes à la suite. Et ça part dans tous les sens. Celle-là, elle est très originale. Ça s'entrechoque, ça part vraiment dans tous les sens. Et je sais pas si j'ai bien scoré sur cette table. Oui, il faut charger le chrono là. Le coup du timer, mais je sais plus pourquoi. C'est la phase suivante en fait qu'on est en train d'armer. Mais je sais plus à quoi ça correspond. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh. Ah, bah voilà, il me reste plus qu'une bille. On va la suivre. Ding, 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 ch'tong. Ding, dong, dong. Oh là, ça va trop vite. Attention, elle retombe comme une pierre. C'est dangereux. Ça va, elle s'est calmée. Je peux la relancer doucement. Time's up! Je crois que c'est la première fois que j'ai ce bonus, tiens. Ça tombe bien. Ah bah non, non, c'est pas assez. J'ai plus le droit d'agir. J'ai plus le droit d'agir. Mais je pense que c'est la chance du débutant là que j'ai eu. Parce que je trouve que j'ai été performant. Je vous ai fait une belle démonstration. Il y a déjà pas mal de choses qui clignotent sur la table. C'est bon signe. Merde, j'ai déjà perdu une première bille. Ah! Alors, être attentif sur une bille, c'est une chose, mais alors sur plusieurs. Oula, attention, si j'ai les deux qui arrivent en même temps sur le même loquet, ça va pas le faire. Ça va complètement alourdir la frappe et c'est un coup à les perdre toutes les deux. De manière complètement pataud. Allez, partie supérieure, toi. Toi aussi, allez, go, 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 go. Jongler, jongler. Petit moment de relâchement, c'est exceptionnel.
Oula, la chute de l'autre. Ouf, elle revient de loin. Ah! Ouf, ouh, ah, comment ne shine, shine, je like a shine. La mauvaise posture, je l'ai vue sortir, la malheureuse. La malheureuse, je suis dans le mal. Pow. Oui, non, oui, non, oui! Allez, vas-y que je te relance. Pardon, hein, je vois que ça s'anime dans le chat, mais je suis accaparé à ma partie de billard électrique. Vous l'aurez compris. Oh, j'ai regagné une bille! Oh, énorme! Oh, j'ai relancé un cycle! Magnifique! Magnifique! Oh, ce que je fais mieux que ma première démonstration, ma première session, c'est incroyable! Ah, bah, j'ai perdu deux billes d'un coup. J'aurais mieux fait de me taire. On y croit, on y croit. Alors, oula, 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 oula. J'arrive plus à suivre, il y en a trop, il y en a qui prennent directement le chemin de la sortie. La trajectoire parfaite et imparable, l'horreur. Merde. Ah! Aïe, 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 je me suis fait piéger. Ah, ça a été magnifique là, comme série. Merdoum! Ah, mais comment qu'il me l'envoie l'autre? Merde, je suis plus dans le coup. J'essaye de relâcher la pression qui était énorme et j'ai plus les réflexes. C'est bon, je me suis détaché du jeu, ça va plus. Je suis plus dans le coup. Time up, voilà, je suis puni. Mais waouh! Ah non, score 5! J'ai fait mieux par le passé! Oh! Ne me dis pas que j'ai fait 1 million de points! Presque! Eh ben dis donc! Ah, j'ai. Alors ça, j'avais oublié, c'est le cadeau si j'arrive à faire 0. Faut que j'appuie au bon moment. Ah non, loupé. Loupé, loupé. Attends voir. Est-ce que je me coltine à un autre? Attendez, je vais vous lire. Il sait. Ah bonjour Monsieur Popon. Voilà pourquoi ça bougeait dans le chat. Bonjour, bonjour. La Jet, bonjour la Jet, qui nous dit j'ai eu de la chance, mon père a récupéré tout plein de vieux PC à son boulot et je bricolais le mien à l'époque, dont avec des cartes son et des vidéos. Ah ouais, Vénard, en plus t'avais l'atelier mécano géant. Ça pour apprendre, c'est génial. À les entrailles de la bête et à réparer soi-même son ordi ou à s'en assembler un autre avec des pièces d'autres, c'est la classe. Oh ouais, bien joué. Ouais, les bibis 2.0, ouais. Alors, quelle table je n'ai pas faite? Eh ben, le Tidoff, là. Alors, je m'en souviens pas du tout de celui-là. Le Castor dans le parcours de golf. Tidoff, la ligne premier a été mise au point en 84 par un ancien employé. Lorsque premier a acquis le droit de Flipper Gottlieb, les flippers ont continué à porter le nom des deux sociétés. Tidoff et Victory partagent la double marque. Une taupe animée appelée Gunter était assise au-dessus du fronton et bougeait en raillant constamment le joueur. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Voulez-vous voir les instructions du flipper? Bah oui, rapidement. Le but de Tidoff est de compléter chacun des 5 parcours. Oula, il y a 52 écrans. Et de marquer un tas de points au passage, voyons comment. La bague clignotante indique sur quel parcours vous jouez. Une fois réussi, elle restera allumée. Ok. Avant d'activer un parcours, vous devez simplement viser les trous. Alors commençons par là. Le but est de compléter les 9 trous dans l'ordre. Les trous 1, 6, 9 se trouvent dans un volcan. Les trous 3, 5, 6 sont ici et les 2, 4, 8 sont en haut de la rampe.
Obtenez les 9 trous avec la première bille pour avoir le mode multi-bille. Oui, bien sûr. Dans ce mode, vous pouvez gagner des jackpots supplémentaires en ayant une bille captive, les cibles proches de lumière client flipper. Finissez le 9e trou avec une seconde bille pour obtenir... Oui, non. J'atteindrai jamais le truc. On va pas lire la suite. Non, attendez. Non, je vais pas choisir un flipper. Je vais jouer, là. Rien que les 10 premiers écrans d'instruction, si j'arrive à faire les 9 trous... J'y crois pas, hein, donc... Pardon, mais je vais m'abstenir de lire la suite. Oulala. C'est ça, ouais. Va faire les 9 trous. Ouais. Oh. Oui, tiens. All in one, ouais, bah... Pff. Avec une sortie de bille. Je serai soi-disant au 2e trou. Oui, bon... Bim, bidi, 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 bidi. Ah, c'est bien, j'ai coincé la bille dans le truc à score. Incroyable. Danger sans les mains. ne me dites pas que j'ai bloqué la bille de manière stratégique, là. Le million. Oh, c'est bien, je peux boire un coup. Je crois que j'ai réussi un coup de maître. Bon. On va peut-être attendre les 20 minutes pour atteindre les 14 heures comme ça, puis on va faire bugger le jeu quand il aura plus de place pour donner le score. Ah, c'est bien, vous vous retrouvez pour le camion, vous avez bien raison. Oh merde, elle s'est libérée. J'ai pas vu comment, mais comme quoi. Ouh là là. Trop bizarre ce qui vient de se passer. Trop bizarre. Ce qui me rend nerveux, c'est quand je perds de vue la bille et qu'elle est embarquée dans un circuit, on va dire. Oh la vache, comment c'est nerveux. Alors là, la bille, elle est moins lourde que dans l'étape précédente. Du moins, c'est le sentiment, la sensation qu'elle me fait. Bah alors, oh, j'arrive plus à éjecter la bille comme il faut. Oups là, oui, je la sentais pas celle-là. Je la sentais pas du tout au niveau trajectoire. Oui, c'est cool, 366 millions de points. Ça sent bon au score. Est-ce que je peux la reloger comme j'ai fait tout à l'heure? Ce serait merveilleux. Histoire que je cumule à mort des points. Bah. Ah oui, vous avez atteint votre meilleur score. Oui, bah oui. C'est cool. Ah oui. Oui, c'est stratosphérique. Oh là là, c'est merveilleux. Ah bah c'est cool. Alors, on va essayer peut-être un autre finalement. Il a été un peu cucu la praline, celui-là. Ah, Psycho Pinball, il faudra que je fasse un jour une scène. Ouais. Il faudra que je fasse un jour. Bah tiens, je sais qu'il est dans GOG. Je l'ai retrouvé dans la bibliothèque de GOG, le Psycho Pinball. Et symboliquement, ce sera peut-être le premier jeu que je vais acheter avec le petit cochon rose de la chaîne. Les sous-sous que vous m'avez offerts, je vous en remercie en cotisation. Ce serait bien que symboliquement ce soit le premier. Ouais, il est gratuit sur Abandonware, mais pour soutenir GOG. Oui, merci Bastos, tu as raison. Tu as raison. Il y en a d'autres que j'ai pas fait qui sont gratos. Voilà, Big Shout. Ah, oh, je l'aime bien la table là. Mais oui, le coup du billard mimé là, c'est sympa. Ah là 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 là. C'est sympa comme tout. Ah ouais. Elle est pas évidente à maîtriser. Hein. Oui, bon app. Enfin, bon après-midi, Poupon. Merci d'avoir fait un petit coucou. On se retrouvera plus tard avec grand plaisir. Minecraft, hein, ce soir, qui a été voté, Poupon. Je sais pas si t'as vu le résultat. Après X-Files chez FunFan.
Un peu avant 18h, à mon avis, je reprendrai mon antenne et on se fera encore une soirée Minecraft en vocale ouverte pour info. Mais là, je me coucherai plus tôt, hein, parce que il faut que je sois opérationnel lundi 9h. J'aurai pas mal de trucs à faire. Mais on va encore s'offrir 4-5 heures de Minecraft tout à l'heure. Ce sera cool. Non, elle sort. Oh, malédiction. Malédiction. Non, 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 pas jusqu'à 1h du mat, Nash. Non, non. Non, je pense que je me mettrai en grande limite minuit, mais à mon avis, j'arrêterai avant. Je pense que je me mettrai en vraie limite 23h30, que je sois vraiment dans le plumard à minuit et que je puisse être devant l'ordi et à bosser opérationnel demain à 9h. Elle a pas réagi. Ah. Non, j'ai fait n'importe quoi là. Ah non, là, je relance une partie, là, je suis deg. Là, j'ai fait de la mouise, j'ai pas su relancer la bille comme il fallait. J'aime bien le drapeau breton qui est bien axé dans le. dans la butée de départ pour lancer la bille. Non! Mais non! Je fais de la mouise d'entrée de jeu. Remarquez, on voit que le panneau de score va pas loin, hein, en score. C'est on grappille les points petit à petit. Wow, la session là, c'est la purge. Oh la contre-performance. Non, je n'y crois pas. Bonne blague. Oui, je veux jouer. J'espère scorer un peu. Merci d'être indulgent avec ma nullité, ma non-maîtrise de la table. S'il vous plaise. Faire un horrible anglicisme. Ah! Non! La bille qui devient folle comme ça, c'est la mort. Ah, 1000 points. Yeah. Cool. Non, calme-toi la bille. Elle est hors de contrôle. Out of control. Non. Chemical Brothers, je crois. Je suis pas sûr. Qui a un titre que j'adore qui s'appelle Out of Control, hors de contrôle. C'est Chemical Brothers ou c'est l'autre groupe dans le même genre. Je sais. Mais non, mais cette contre-performance, oh là 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 là. Je veux scorer, je veux aller dans le top 5, je peux le faire. Bonjour Christella, bisous tout plein. J'espère que tu vas bien, comme hier. Oui, alors je te mets au parfum Christella, toujours pas de Steam pour moi, mais on a voté Minecraft. Donc tout à l'heure, en gros, 17h30, 23h, on va dire, il y aura du Minecraft à gogo. Et j'ai des excités du bocal dans ma rue. J'entends leur voix alors que j'ai les écouteurs dans les cages à miel. Et en plus que j'ai fenêtres et volets fermés pour garder ma température. Ah! Oh là 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 là. Bon là j'ai fait un peu mieux mais. Allez, dernière bille, pourvu qu'elle soit rentable. Que je revienne dans le top 5.
J'ai pas aimé sa trajectoire. Et merde. Out. Meilleur score, 80 000. J'en suis loin. Hein. J'en suis loin. Allez, la bim, miracle. Ah, de si peu. Je veux réussir à rentrer une fois dans le top 5. Oui, encore Minecraft. Oui, on y retourne. Bah, voilà, j'ai soumis le vote et ça fait plaisir. Alors, on y retourne. Voilà, on bavarde en bonne humeur, posée. Et... De toute façon, je vous fais que des propositions qui, moi, me procurent du plaisir. Hein. Je ne vais pas me mettre dans la contrainte. Je suis là pour me détendre avant tout. Et oui, je suis reparti pour un tour. Prolongation Minecraft, deuxième service. Cette table de billard va me rendre fou. Je vais finir interné avant de faire le relais de chaîne à Fun Fan là dans 10 minutes. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais faut pas. C'est cruel. Non. On persévère, on persévère, on persévère. Ça finira bien par payer. Oui, non, cette fois pas d'abus sur l'or. Oui, bah ouais. Ouais. Mais ça devrait être interdit. C'est scandaleux, comme dirait Poupon. Oh, cette éjection directement vers la sortie, mais c'est abject. Mais non, mais non, mais il me troll. Cette table de jeu me troll. Vilaine, beau. Attends, oui, j'ai pas lu, je vois que... Attendez, il y en a qui sont atterrés par... Oh, mais non, moi je suis atterré par ce qui vient de m'arriver. Allez, bon, perdu. Mais si tu sais que le prochain samedi, tu vas faire 9h, 3h du mat en live. Oui, j'ai bien dormi cette nuit, Christella. Oui, merci, j'ai trop bien dormi. Je suis tombé comme une pierre juste derrière après vous avoir salué. Et... Mais je suis debout, je suis à mon antenne depuis 9h15. Hein. Je suis debout, je me suis réveillé à 8h30. Et ça va, très bien. N'oublie pas le message de Bastos, me dit Edge. Mais si on sait que ton prochain samedi, tu vas faire 9h, 3h du matin en live. Ouais. Tu sais, je glisse tout doucement vers le 24h. Ah là là. Allez, concentration, je vais l'avoir cette table. Je vais au moins être en cinquième position dans le score. Surtout que c'est une de mes top favorites. Fait partie de mon top 3 là sur la douzaine d'attractions. Gottlieb. Ah, pas mal. Pas mal, mais faut pas qu'elle soit trop folle. Quand elle est dans les bumpers. C'est l'erreur à ne pas commettre. Interdit ça, c'est pas possible. Ah. C'est là où il faut secouer la table et risquer le tilt. Mais bon, je sais même plus comment on fait. Réflexe.
Il me reste 8 minutes de jeu, 7 minutes de jeu. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Non. Nope. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Nope. J'arrive pas à stabiliser la bille. Ouh, c'est mal engagé. Pas sur les côtés. Oh, la vache, je l'ai relancé avec une violence. Ouch. Ouf, dangereux. Ah, je l'ai vu, la position centrale de la trajectoire de la bille. Patience, maîtrise et abnégation. Ou elle va trop vite. Oula. Oh. Merde. Doom. Message de FunFan1992 @Christella dit c'est normal qu'il n'y a pas de son de jeu ni de musique. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est peut-être parce que j'avais trop baissé le son de la PlayStation. C'était trop. La PlayStation 2 et le fait que je sois passé sur la 3, ça a peut-être quick. Et merde, le score est pas bon. De toute façon, excusez-moi, mais je suis à 3 minutes symboliques de rendre l'antenne. Le son du jeu est très bas et en musique, il n'y a rien. Attendez, je peux remédier pour les 5 dernières minutes rapidement au truc. Merde, je me suis trompé de fenêtre. Attendez. Normalement, c'est l'audio. Voilà, normalement vous devriez mieux entendre.
Et au pire, s'il n'y a pas de musique, je peux enclencher Winamp pour les 5 minutes, quoi. Allez, go. Hop là. C'était une ambiance religieuse de recueillement ce dimanche. Ah, goudou, goudou. Goudou. Ah, là, ça sent bon. Mais une première bille à 20 000 points, c'est très bien. Il faudrait que je fasse les deux autres à 20 000 points et là j'ai une chance d'être dans le top 5. Merde. Ah, trajectoire de chiottes. Excusez-moi, mais c'est ça. Ah, tu préfères voir le... Ouais, à la table, globalement. Mais il y a moyen de changer de vue, mais je sais plus comment on fait. Et j'ai fait de la mouise. Prépare ton X-Files, hein, Funfan. Je te fais le relais de chaîne dans 2 minutes. Je fais une dernière série de 3 lancés et hop, je me tourne vers toi. Je l'ai effleuré, je l'ai pas relancé. Merde. Oh non! Bon bah c'est fini. Oh je suis deg. Ah non, troisième bille, pardon, je crois que c'était la dernière. Putain, j'adore, j'ai rien déclenché. Elle était à hauteur, elle a rien déclenché la vilaine. Ou le réflexe que j'ai pas deux fois. Et merde! X-Files. Tiens, vous avez gagné un Flyers. Et merde. Oh, eh ben, je vais vous parler de l'acteur qui incarne l'homme à la cigarette chez Fun Fan. Allez-y.
J'espère que t'as lancé, oui, X-Fax le jeu. Ah ouais, 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 complètement la Jed. Et je sens que ça va pas être triste. Allez, Zou. Boum. Alors. Ah oui, s'il te plaît, lance, parce que mon relais de chaîne va s'activer dans 90 secondes. Bref, déjà, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci à Neko Hodoku ce matin d'avoir fait acte de fidélité à la chaîne. Je me réjouis de savoir que ma communauté s'agrandit petit à petit et qu'on se marre bien tous ensemble. Donc, on file chez FunFan où je vais être commentateur et je vais vous parler de la série X-Files pendant qu'il fera le jeu. Je vais me restaurer quand même dans les trois quarts d'heure premiers, le temps qu'il se remette en selle FunFan. Et on se retrouvera sur mon antenne à nouveau vers, on va dire aux environs de 17h30 pour être large, sur du Minecraft jusqu'à je sais pas quelle heure, peut-être 23h, 23h30 max. Merci, merci, oui merci, voilà, il n'y avait pas d'autres événements particuliers. Merci aux anonymes, aux ceux qui restent discrets en cachet, qui se manifestent pas mais qui me regardent, que ce soit occasionnellement comme régulièrement. Merci à vous. Je suis content que vous puissiez faire le plein d'ondes positives en voyant mes âneries chaque week-end. A plus les copains, on va filer chez FunFan. Pourquoi je te détecte pas? Alors autant je détecte Aero qui vient de prendre son antenne, autant FunFan je te vois toujours pas. Ah, ça va faire planter le relais de chaîne. C'est bon? Oups. Oh mon dieu, je déclenche plein de fenêtres et il faut pas. Aïe, 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 aïe. Alors, bonjour tout le monde. El mundo. Ça y est, je mets de l'espagnol sans le vouloir. Pour eux. Ça y est. Alors, merde, il met trois plombs mon Twitch. Attends, je vais provoquer manuellement le... Puis je vais arriver dans la vocale. Attends, c'est le bazar. Oui, FunFan. Non, pas FunFunFou hein, au point. Alors, attends, je coupe la musique. Mon enregistrement, il va falloir que je le coupe. Parce que c'est toujours pas le cas. Stop streaming. Ciao tout le monde, bisous. Prenez soin de vous. Arrêt d'enregistrement.